Prière à Saint Jérôme, Père et Docteur de l'Église. Glorieux Saint Jérôme, Père et Docteur de l'Église, vous qui, en traduisant la Bible en latin, l'avez rendue accessible au plus grand nombre, vous qui vous êtes attaché à remonter à la source et à retrouver dans les ruisseaux tout ce qui naît de la source, vous qui savez à quel point l'intelligence de l'écriture conditionne l'intelligence de la transcription. Nous confions notre activité à votre bienveillante intercession. Obtenez-nous de savoir retranscrire les messages qui nous sont confiés avec la plus grande fidélité possible, sans perdre le mystère des mots. Aidez-nous à chasser l'imprécision, à fuir le faux sens, à refuser le manque de rigueur et à haïr le contresens. Donnez-nous enfin de chercher à apprendre sur la terre les vérités dont la consistance persistera également au ciel. Ainsi soit-il. Saint Jérôme, priez pour nous. Prions. Dieu qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensément, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et retrouve en elle une source de vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Saint Jérôme, merci pour tes actions bénéfiques et merci pour ta présence. Prière quotidienne à Saint Jérôme pour les âmes des disparus. Saint Jérôme, priez pour nos amies impuissantes, prisonnières du purgatoire. Que la lumière sans déclin brille sur elles. Qu'elles reposent en paix. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache à nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Priez pour les âmes du purgatoire, cela les soulage et cela est utile aux vivants. Les suffrages des morts sont utiles aux vivants. La puissance et la gratitude des saintes âmes du purgatoire ne sont pas assez connues. Ces âmes bénies ne peuvent plus gagner de mérite n'étant plus sur la terre, mais elles ont la faculté de prier pour nous. Les souffrances qu'elles endurent touchent vivement le cœur de Dieu. Mon Dieu, je vous adore et vous reconnais pour mon Créateur. Et Seigneur, je vous remercie de tout mon cœur de la bonté que vous m'avez manifestée. Je vous offre mon corps, mon âme et toutes les actions de cette journée pour être toutes unies à celles de Jésus-Christ et consacrées à votre gloire. Je désire ainsi agir en toutes choses selon vos sentiments et vos volontés. Que mon ange gardien dépose au pied de votre trône mon offrande et unisse ma louange à celle des bienheureux. Que les âmes du purgatoire aient la joie de la vision béatifique de Dieu. Saint Jérôme, priez pour nos amies impuissantes. Merci.